Hello les amis, j'espère que tout le monde se porte bien et bien évidemment comme d'habitude si tu souhaites t'abonner, fais-le, c'est gratuit sans engagement de ta part. Si tu ne le souhaites pas parce que cela ne t'intéresse pas, c'est pas grave mais j'espère que de temps en temps tu passes sur la chaîne voir si une vidéo t'intéresse et surtout n'hésitez pas à réagir sur la vidéo qui vous font réagir dans l'espace commentaire en restant respectueux. Donc là c'est une petite vidéo réponse. Donc, qui dit vidéo réponse ne dit pas forcément vidéo critique ou vidéo où j'attaque telle ou telle personne. Non, pas du tout. Là, c'est juste en gros, j'ai une personne, certainement un futur abonné, qui demandait si, apparemment sur ma précédente vidéo, où je testais mon micro pour tenter de faire de l'ASMR, où en gros, il demandait si j'allais en faire plus souvent. Alors pour y répondre à Fallen Leroux, ma chaîne, celle-ci ne viendra pas 100% ASMR, mais je ferai plus ou moins régulièrement quand même des vidéos. Déjà moi pour m'habituer à faire de l'ASMR, du coup bah, j'ai profité du coup de cette chaîne-ci pour bah, déjà je pense pour m'habituer déjà aussi à en faire. Parce que bon, voilà, je suis totalement débutante dans l'ASMR, bien évidemment. Sachant que aussi, c'est vraiment aussi pour découvrir aussi le truc. Et c'est vrai que bon, bah, jusqu'à maintenant, les micros que j'avais, bah, c'était pas terrible. Alors, c'est soit vraiment ça prenait pas en compte le son, soit ça le faisait pas du tout. Et du coup, là, oui, bon, même si c'est pas forcément des micros on va dire de ouf, déjà la qualité est meilleure, je peux faire peut-être un peu plus. Donc c'est vrai que je suis toujours encore dans le monde en mode découverte et que oui effectivement sur cette chaîne je pense qu'on en découvrira pardon un peu plus, déjà moi pour m'y habituer, puis si jamais je vois vraiment que ça peut intéresser du monde, oui j'ai l'intention de du coup bah, de faire une seconde chaîne qui sera vraiment là pour le coup 100% ASMR. Et je sais pas si là vraiment dans la semaine, parce que bon, c'est vrai qu'avec le travail c'est peut-être un peu chiant, mais je pense que ce week-end je vais essayer d'en faire plusieurs bah, pour continuer déjà à m'y habituer et aussi à les mettre sur cette chaîne-ci. Et que voilà, après, je pense que pareil, je pense que même pour le chuchotement, je pense que c'est aussi à maîtriser, parce que je pense que si, parce que des fois je sais que on peut ne pas forcément apprécier quand on chuchote un petit peu trop fort. Et pareil pour tout ce qui va être tapping, brushing et compagnie, il va falloir que je prenne l'habitude en fait. Donc là vraiment sur cette chaîne-là, ça sera aussi en mode bah, je découvre aussi déjà, je continue de découvrir. Et je pense que ça peut être aussi intéressant peut-être de d'avoir du coup bah, vos retours, et si vraiment je vois que j'arrive plutôt à me débrouiller pas trop mal, bah, je continuerai bien évidemment, bah, en poster quand même quelques-unes sur cette chaîne-là, mais je me ferai du coup une autre chaîne où vraiment ça sera 100% ASMR, et que de toute façon ce jour-là, je vous mettrai bien évidemment le lien en description, chose qui sera tout à fait normale. Mais ouais, je pense que je vais me lancer dedans et que là, je me laisse quand même peut-être un petit peu de temps peut-être pour découvrir peut-être un petit peu plus, et surtout bah, pour essayer de trouver aussi des objets qui pourraient déclencher le truc en fait. Oui, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que je sais qu'on a certains éléments qui peuvent être déclencheurs de relaxation et compagnie. Bon, après, on a forcément des trucs à la maison qui peuvent en gros aider, mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir essayer de trouver d'autres objets pour essayer de faire évoluer du coup bah, la chaîne. Donc voilà, la chaîne ASMR viendra, mais c'est vrai que là, du coup, il va surtout falloir que je prenne l'habitude déjà d'en faire, déjà d'un, et aussi de continuer peut-être de m'améliorer à ce niveau-là, prendre l'habitude. Donc oui, je pense sérieusement à en faire une deuxième. Donc c'est pour ça, à chaque fois que je posterai une vidéo sur l'ASMR, il faudra surtout pas hésiter à bah, donner vos avis. Puis c'est que j'avoue que là, pour le coup, les likes sur ces vidéos-là, je pense que ça pourrait du coup vraiment m'encourager bah, à le faire. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ce week-end, je n'oublie pas, je ne vous oublie pas pour ceux qui aiment l'ASMR.
J'essaierai vraiment d'en faire plusieurs. Bon, ça sera pas forcément des hyper grosses, genre 20 minutes et compagnie. Non, non. Je pense que si déjà je pars sur 10 minutes, un quart d'heure, ça pourrait être pas si mal que ça. Et je pense que même sur cette chaîne-ci, bah, pourquoi pas tenter de faire une story time en chuchotement. Aussi pour m'y habituer. Donc, j'essaie de vous faire ça vraiment ce week-end. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis.